dans le fleuve, principalement soit parce qu'ils sont frappés par des navires commerciaux, puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec notre baleine, ou parce qu'ils se prennent dans des engins de pêche. Et tous ces cas-là, jamais c'est autant médiatisé. Alors, je voulais vous dire aussi, on se dit que quelques baleines qui perdent la vie, ben on va s'en remettre. Mais en fait, c'est tout un écosystème qui est menacé. Et c'est aussi que la perte de biodiversité, c'est un phénomène qui s'observe à l'échelle mondiale. Et il y a le WWF qui fait ce qu'on appelle l'indice planète vivante, qui est un indicateur de la biodiversité mondiale qui suit l'abondance de milliers d'animaux, autant mammifères, reptiles, poissons, etc. Et cet indicateur, il indique un déclin global de 60% des espèces depuis 1970, donc 50 ans. En 50 ans, il y a plus de la moitié des espèces qui sont sur le déclin. Catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Puis un des exemples les plus connus de répercussions, c'est celui des pollinisateurs, parce qu'en fait, on dépend très fortement des pollinisateurs pour notre production alimentaire. S'ils disparaissent, l'insécurité alimentaire et les famines risquent vraiment d'augmenter, d'autant plus dans les pays en développement, les pollinisateurs sont extrêmement importants pour le rendement. Donc ça nous affecte directement, puis ça c'est un lien qu'on voit qui est vraiment direct, mais pour revenir sur la baleine, son impact sur la survie humaine, il est moins évident, mais toutes les espèces sont connectées dans ce qu'on appelle justement un écosystème et ça va nous affecter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est vraiment un exemple, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais la baleine, peut-être qu'elle mangeait une espèce invasive et vu qu'il y a moins de baleines, il y a plus d'espèces invasives et donc qui tuent les poissons et donc peut-être qu'on aura moins de poissons. Je ne sais pas si c'est un exemple concret, mais c'est le genre de lien qu'on peut faire puis qui va nous affecter directement. Donc, en effet, c'est dramatique cette perte de biodiversité là. Puis pourquoi c'est problématique aussi, c'est que nos gouvernements font pas grand chose, il y a un manque de volonté politique qui est assez évident. L'article le dit, le Québec s'était engagé devant la scène internationale pour protéger 10% du Saint-Laurent d'ici fin 2020 et à ce jour c'est fait sur seulement 1,9% alors qu'on est quand même rendu mi-2020. Donc, il y a un manque de volonté politique. Puis même chose au fédéral, je sais pas si vous avez vu passer ça, Trudeau a aboli le processus normal d'évaluation environnementale, il l'a aboli début juin. Puis qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça accélère la réalisation de projets de forage exploratoire pour les industries pétrolières. Donc au moment où on devrait être en train d'essayer de réduire absolument la quantité de pétrole qu'on extrait, le nombre d'émissions de gaz à effet de serre qu'on émet, eh ben c'est tout le contraire qui se passe. Puis nos forces politiques vont sur le chemin différent. Donc, on est vraiment dans le sens inverse duquel on devrait être. Puis, sans vouloir montrer alarmiste ou quoi, je rappelle qu'une des conséquences du changement climatique avérée, c'est une augmentation du nombre de pandémies. Alors, je ne dis pas que la COVID-19 est liée à ça, peut-être pas, je ne sais pas, mais je dis juste que je ne pense pas que j'ai envie, puis je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie que la vie de pandémie devienne notre quotidien. Puis, pour ça, il faut prendre des mesures. Puis, en ce moment, nos politiques le font juste pas. Donc d'ailleurs, on va en parler dans le rapport du commissaire au développement durable tantôt, mais clairement, il y a un manque de volonté. Pourtant, il y a des manières de faire. C'est pas impossible. Il y a des outils pour réaliser ce genre de changement. Ils sont juste pas mis en place. Puis c'est pas des outils qui fragiliseraient l'économie. Là, pas du tout. Ça créerait de l'emploi. Il y aurait des taxes sur de type pollueur-payeur. Ça serait juste bénéfique pour notre société, mais parce qu'il y a certains lobbies, on va se le dire, ce n'est pas mis en place, puis je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, du fait que c'est ça. J'aimerais ça que cette histoire de baleine ne soit pas récurrente, puis j'aimerais ça que notre biodiversité se porte bien, mais malheureusement c'est pas près d'arriver quand on voit les décisions que prennent nos dirigeants. Donc voilà. C'est bien. Ça va. Oui. Ça, bon, tout à fait. On a espéré une meilleure fin parce que oui, on pouvait faire un peu des gags avec ça parce que compte tenu de la situation, mais dans la réalité, il y avait des gens qui surveillaient la situation. On aurait espéré peut-être
certains disaient une intervention, d'autres disaient c'est quasi, c'est très difficile, il faut un peu aller laisser les choses. Alors évidemment, on a cette situation-là. On va espérer, comme tu dis, Kim, que c'est une situation qui ne sera pas récurrente. Sur le plan des événements majeurs, je reviens sur George Floyd, sur tout ce qui s'est fait au niveau international, sur les statues qui sont déboulonnées actuellement, qui représentent le racisme. Mais je veux revenir sur un événement canadien qui nous rappelle la même réalité, c'est celui du chef Alan Haddam. Le chef de la Première Nation des Chipewyan d'Athabasca, en Alberta, il y a une nouvelle vidéo qui a sorti de la GRC qui fait un peu la lumière sur l'événement. Ce qu'on voit dans une vidéo de 12 minutes, c'est que il est intercepté par la GRC à cause d'une plaque d'immatriculation qui serait expirée. Il sort du véhicule parce qu'il se sent harcelé. Évidemment, il y a un échange. Il lance quelques jurons. Et il y a un deuxième policier qui intervient, qui fonce sur lui, le plaque au sol et lui assène un coup de poing à la tête. Hein? Si vous avez vu les images de la tête du chef Alan Haddam, c'est pas beau, là. Il est ensanglanté, il est ouvert, il est frappé violemment, là. Et là, c'est pas une vidéo d'un tiers qui a coupé un bout du passage. C'est la vidéo de la GRC qui montre l'agent de police le plaquer au sol et le frapper d'un coup de poing. Pas le maîtriser. Pas lui donner ses droits et dire de cesser. Sauter dessus pour lui sacrer une volée, définitivement. Alors, pour une plaque d'immatriculation expirée, pas pour un vol, pas pour un meurtre, pas pour un homicide, une plaque d'immatriculation. Alors, évidemment, ce qui est plus enrageant, c'est que la GRC de Wood Buffalo a regardé la vidéo, puis a été examiné par les superviseurs qui disent qu'ils ont déterminé que les gestes posés par les agents étaient raisonnables et ne remplissaient pas les critères pour déclencher une enquête externe. Mais qu'est-ce que ça va prendre? Donner un coup de poing au visage d'un citoyen qui est en arrestation, puis je vous le dis, là, il est boursouflé, il saigne, il est fendu, il a l'œil noir, ça n'a aucun bon sens. Alors, ça n'a tellement pas de bon sens que même Andrew Scheer, des conservateurs, s'est dit profondément troublé par la vidéo. Il s'est dit troublé et il dit l'usage excessif de la force par la police est toujours une erreur et l'objet d'une enquête devrait être fait dans ce dossier-là. Ah, alors moi, je suis toujours abasourdi par les superviseurs qui regardent ces images-là puis qui disent non, quand on regarde les événements, ça me paraît normal. Alors, je pense qu'il va falloir pas simplement regarder ce qui se fait ailleurs, mais il faut également regarder ce qui se passe ici dans une situation semblable. C'est clair. C'était horrible, horrible. Mais les rapports sont directs. Hein. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, ça touche aussi nos corps policiers parce qu'il y a beaucoup de communication entre les corps policiers, entre les cultures policières, entre les façons d'intervenir. Comme là, à Minneapolis, là, le maire veut démanteler son service de police et créer... C'est le conseil municipal. C'est le conseil municipal. Créer un autre genre de service policier, comme il y en a un à Camden, qui est une ville du Massachusetts, je pense, qui est plus axé vers la police communautaire, qui a réduit considérablement le crime, qui règle pas tous les problèmes. Mais il y a un problème de réforme de la police aux États-Unis et ça va toucher aussi nos systèmes policiers où c'est pas aussi grave, mais c'est quand même très grave ce qui se passe aux États-Unis. Les fraternités policières, les syndicats, associations, n'importe quoi, ont énormément de pouvoir et mettent beaucoup d'argent dans l'élection, par exemple, d'un procureur de l'État là, pour faire des poursuites. Ils ont beaucoup de politiciens qui ne peuvent pas être élus sans l'appui financier de ces corps policiers-là, qui exigent en retour des lois qui les immunisent complètement contre toutes les poursuites. Alors, ça n'a aucun sens. Et puis, on parle aussi des les techniques de strangulation, le genou sur la gorge et tout ça, qui vont être interdites de plus en plus aux États-Unis. Il faudrait voir aussi, parce que si c'était interdit aux États-Unis, ça va l'être ici aussi, éventuellement, parce qu'on a eu des problèmes à la
la police de Montréal, de gens qui ont été... je me rappelle de quelqu'un qui avait été étouffé comme ça, en détention, un monsieur de Laval qui était en crise. Ils l'ont étouffé, il est mort. Et est-ce qu'on a encore cette technique-là? Il y a des techniques policières, comme par exemple suivre un véhicule en mouvement, puis l'arrêter, puis attaquer les occupants. Ça a été abandonné après la mort de Marcellus François dans les années 90. C'était un drame épouvantable, un scandale. Absolument. Policier aussi. Il y en a eu plein d'autres. Et tout ça, ça va ensemble. Ils se parlent. Les interventions, les types d'interventions qu'on s'autorise, qu'on ne s'autorise pas, la façon de défendre des policiers en cours aussi. Ça, il y a des avocats, des grands bureaux d'avocats américains qui sont consultés par les avocats canadiens aussi pour travailler sur des défenses vraiment des fois assez surprenantes. Mais j'embarque pas plus. J'ai des choses qui m'ont tellement révolté dans mon temps au palais de justice. Mais le truc de la police communautaire, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai eu l'occasion d'interviewer des policiers dans le cadre d'articles. Puis, c'est super, ils sont proches de la population. Ça permet justement une baisse du taux de criminalité, tout simplement parce qu'ils connaissent davantage la population et ils voient, mettons, si un jeune s'embarque dans la mauvaise voie. J'aime pas cette expression-là, voient, puis ils sont capables de le récupérer, puis de le remettre au sport ou quelque chose comme ça qui va l'éloigner de la criminalité. Je trouve ça exceptionnel. Puis, je ne comprends pas à quel moment on laisse faire ce genre de comportement par la police. Enfin, moi, ça me dépasse complètement. C'est pas leur rôle du tout. Puis, dans leur formation, c'est bien dit qu'ils peuvent utiliser la violence, mais seulement si c'est proportionnel au danger. Ah oui, vraiment, s'ils sont en danger. Puis, si une personne est en crise, le premier réflexe, ça ne doit pas être la violence, sauf bien sûr si elle représente un véritable danger pour elle-même ou pour les autres. Mais normalement, c'est discuter, normalement, c'est désamorcer la crise. Donc, en fait, on est vraiment à l'inverse de ce que ça devrait être. Très sincèrement, ça me choque profondément, oui. Absolument. Il y a aussi le problème de la militarisation des forces policières aux États-Unis. Il y en a un peu ici, dans une moindre mesure. Vous savez qu'à Québec, là, en 2008, je pense, la ville de Québec a acheté un espèce de véhicule militaire blindé avec des meurtrières à l'intérieur. Une affaire là, de antiterrorisme maximal où tu peux rentrer 10 policiers armés et puis intervenir. Et que je sache, ce véhicule-là, j'ai déjà vu rouler une fois dans le stationnement de la centrale de police Victoria où faisait l'entraînement, probablement. Il n'a jamais, jamais, jamais servi. C'est une dépense complètement inutile. Et ça vient de la culture américaine où là, l'armée leur donne des équipements absolument monstrueux. C'est des équipements pour faire la guerre, tu sais. Ça n'a aucun bon sens, mais ça ajoute une mentalité d'invincibilité aussi. Tout à fait. Culture de violence, puis comme encouragée par Trump, qui dit qu'il faut dominer la rue, là, en tout cas, ça, Trump. Il devait parler de la réforme policière et dire, moi, je vais défendre les policiers. Ouais, absolument. Absolument. Oui. Deuxième élément, très rapidement, mais qui est un peu troublant, c'est le séjour du docteur Arruda pendant 12 jours au début de la crise de la pandémie. Il s'est absenté du pays pendant 12 jours pour un voyage d'affaires, mais on dirait davantage d'agrément, comme le dit la presse canadienne, au Maroc. Il est allé à Marrakech le 26 février. Il était de retour le 8 mars. Et là, évidemment, on s'interroge sur le fait, il faut savoir que la pandémie était commencée au niveau international. Et c'est un moment charnière sur le plan de l'organisation rapide des moyens de protection qui devaient être mis en place. Et là, beaucoup d'opposition politique commence à s'interroger sur cette situation-là. Il ne faut pas oublier que le docteur Arruda est aussi sous-ministre adjoint. Et ce voyage-là a été autorisé par le sous-ministre Gendron et la ministre Danielle McCann. Et il a participé à son retour le 9 mars, immédiatement à une conférence de presse aux côtés de la ministre McCann. Et le premier cas d'infection avait été rapporté au Québec le 27 février. Alors, le porte-parole péquiste de la santé, Joël Arsenault, qui est le député des Îles-de-la-Madeleine, s'interroge. Cette espèce de désinvolture, est-ce que ça n'aurait pas pu faire en sorte que dans la période où on voyait au niveau mondial ce qui se passe, il n'y aurait pas pu y avoir des moyens de mise en place pour agir plus tôt,
comme des équipements de protection, des masques en quantité suffisante, recruter du personnel d'un CHSLD. Alors, les questions se posent maintenant. Il n'était peut-être pas le temps de les poser à l'époque, mais elles se posent. Mmh. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il n'a pas fait de quarantaine. Le 12 mars, juste après la semaine de relâche, il décrétait, il imposait une période d'isolement obligatoire de 14 jours à tout le monde qui revenait de voyage. Le 12 mars, lui, il est revenu le 8 mars. Il n'a pas été en quarantaine d'aucune façon. Et le Maroc faisait partie des pays frappés par la pandémie. Il y avait même un cas à Marrakech à ce moment-là. Ce qui il avait été invité à un congrès le 28 et le 29 février, et le congrès, c'était pas sur la pandémie. C'était sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était sur la légalisation du cannabis au moment où, dans le monde, c'était le directeur de la santé publique, la pandémie frappait. Et je termine rapidement là-dessus. Aujourd'hui, le Journal de Québec, Jules Richer et Sarah Daou-Brown disent que il s'est même permis, on le voit sur YouTube, de faire des gags sur la pandémie et même de ne pas très prendre ça très au sérieux. Alors, il dit, j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus. Eh bien, ils ne m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très, 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 très mauvaises. Il a même rajouté un élément qui est un peu troublant, c'est que je suis un homme qui travaille dans un ministère. Oui, là où je n'aurais jamais voulu finir ma carrière, et j'y suis. C'est le sous-ministre adjoint à la santé publique. Alors, c'est un peu triste parce que le monde l'a adulé pendant toute la période. On sait ce qui est arrivé particulièrement en relation avec les masques, où pendant longtemps, il a été le porte-parole contre les masques. Moi, je vous le dis aujourd'hui, dans le déconfinement... Je dois vous interrompre. Je viens d'avoir M. Paul Lannoy au téléphone. Oui. Il va rappeler d'une minute à l'autre, Julien. Je suis en ligne, M. Lannoy. On est en émission actuellement. Alors, Est-ce qu'on commence directement l'entrevue? Est-ce qu'on commence directement l'entrevue, Julien? J'ai M. Lannoy au téléphone. Est-ce qu'on passe directement en entrevue avec M. Lannoy? Absolument. Allons-y. Alors, M. Lannoy, qui est commissaire au développement durable auprès du vérificateur général du Québec, qui a remis son rapport cette semaine. Et on sait que ça a toujours été difficile, le travail de commissaire au développement durable au Québec. C'est difficile de se faire reconnaître. Je me souviens d'Harvey Mead qui avait l'impression parfois de prêcher dans le désert quand il s'agissait de soumettre des propositions au gouvernement, de critiquer certaines politiques. On en est encore un peu là. Et M. Lannoy, bonjour. Bonjour et bienvenue à CKIA, M. Lannoy. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Bonjour. Oui, alors on va juste monter le son un petit peu. Excusez-moi, ce ne sera pas long. OK. Est-ce que vous avez cette impression-là, M. Lannoy? Vous aussi, comme certains de vos prédécesseurs, par moment, de prêcher un peu dans le désert, est-ce que c'est à ce point? Écoutez, je vois pas nécessairement mon rôle comme étant celui qui va prêcher. Je suis chez le vérificateur général du Québec, donc mon rôle est bien défini par la loi. Je dois aller vérifier l'application de la loi sur le développement durable, faire des audits de performance sur d'autres sujets connexes au développement durable. Et donc, au terme de ces travaux de vérification, de ces travaux d'audit, on fait des recommandations aux différents ministères, aux différents organismes qu'on a audités, puis ces recommandations-là donc sont mises en application. Donc on a certainement l'impression que les choses avancent, peut-être pas de façon spectaculaire, peut-être pas de façon à ce que ça ait des retombées médiatiques régulièrement, mais sur le terrain, on voit que les choses avancent. Ben, c'est déjà ça de bon, c'est ça de prix. Le gouvernement du Québec donne énormément de contrats, évidemment, là, comme tous les gouvernements au monde. Il a un rôle dans l'économie qui est vraiment très impressionnant, qui dépense des milliards de dollars chaque année. Et vous estimez dans votre rapport que le gouvernement n'utilise pas assez ce levier-là pour exiger des entreprises, des organismes de se démarquer sur le plan environnemental, de prendre des engagements environnementaux, surtout pour le développement durable. Comment vous expliquez ça? Ben, écoutez, nous, ce qu'on dit, notre message principal à ce sujet-là, c'est que ça fait longtemps que
le gouvernement dit qu'il veut utiliser davantage d'instruments économiques, davantage d'incitations économiques là, à améliorer la situation en termes de développement durable. Donc, lorsqu'on donne des programmes d'aide financière, on peut assortir ces programmes d'aide de critères éco-responsables, de critères environnementaux. Donc, c'est un levier qu'on a à notre disposition et on constate qu'il est relativement peu utilisé. C'est la nature de notre constat. Vous avez constaté aussi que le fonds vert, dont beaucoup de gens se plaignent, bon, c'est des taxes, ceci, cela, c'est pas grand-chose quand on est, quand on compare à ce qui se fait dans d'autres pays, dans l'OCDE en général, les ponctions fiscales des gouvernements pour appuyer les mesures écologiques de développement durable sont beaucoup plus élevées que nous, notre petit 30 $ par année pour sur les certificats d'immatriculation, c'est vraiment pas grand-chose en comparaison de ce qu'on pourrait faire, de ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Effectivement, là, on passe maintenant à l'éco-fiscalité. Donc, dans le fond, toutes les taxes, tous les tarifs qu'on peut prélever donc, pour inciter les gens à changer leur comportement environnementaux. Donc, une mesure qu'on a été capable de comparer, c'est la portion de taxes environnementales sur l'ensemble des taxes, sur l'ensemble des recettes fiscales. Donc, cette portion-là au Québec, elle est relativement faible quand on regarde l'ensemble des pays de l'OCDE, par exemple. Donc, la portion de taxes environnementales au Québec est peut-être la moitié moins que ce qu'on retrouve au Royaume-Uni. Et donc, ça fait, encore une fois, ça fait longtemps que le gouvernement dit qu'il veut utiliser davantage d'instruments économiques. Donc, on constate que cette utilisation-là est encore limitée. Et ce qu'on constate également, c'est que les taxes ou les tarifs qu'on utilise en matière d'éco-fiscalité ne sont pas révisés régulièrement, on n'évalue pas leur impact. Et en particulier, on se demande, bon, ben, dans l'exemple que vous avez donné, il y a une taxe qui existe depuis plusieurs années, donc pour que les automobilistes financent le transport en commun. Alors, depuis 1992, on n'a pas changé le montant, donc on se pose la question, ben, comment ça fait que ça n'a pas changé? Est-ce qu'on a évalué l'impact que ça peut avoir? Oui, et puis en plus, beaucoup de cet argent va au Fonds vert, qui, lui, a connu certains déboires, en ce sens qu'il y a eu beaucoup de décisions du Fonds vert de dépenses ou d'investissements qui sont très, très questionnables, qui étaient même choquantes pour les gens. Entre autres, on a utilisé le Fonds vert pour financer un pipeline entre Lévis et Montréal, je crois. Est-ce que le Fonds vert est en train... On devait... faire une refonte du Fonds vert, de ses objectifs, de sa façon de fonctionner. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dedans, vous, comme commissaire au développement durable? Alors, en ce qui concerne le Fonds vert, donc, mon prédécesseur a fait un audit sur le Fonds vert, donc, en 2014. Et effectivement, donc, il y avait des préoccupations importantes sur la façon dont l'argent du Fonds vert était géré. Par exemple, on constatait que beaucoup d'argent était donné sans qu'il y ait vraiment un appel de proposition, sans qu'il y ait de critères précis qui soient utilisés pour analyser les projets reçus, sans qu'on aille voir après coup est-ce que ça a donné les résultats qu'on souhaitait, etc. Donc, ça, c'était des résultats qui datent de 2014. En 2016, on nous a demandé d'y retourner. Donc, on n'avait pas vu de progrès donc très, très significatif là, qui avait été réalisé. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, le gouvernement a créé le conseil de gestion du Fonds vert. Et nous, on a continué nos travaux année après année pour aller voir est-ce que nos recommandations initiales sont appliquées. Et on voit quand même certaines améliorations maintenant. Donc, il faut le souligner. Là, il y a eu des améliorations. Et on est en train de faire un nouvel audit présentement. C'est ce qu'on a annoncé cette fois-ci dans notre rapport. On est en train de faire un nouvel audit qu'on va déposer là à l'automne prochain. Ah oui, et puis à l'automne prochain, et justement, il y a la nouvelle stratégie de développement durable du Québec qui doit être... Est-ce qu'elle est adoptée? Je sais qu'elle va s'appliquer en 2021. Est-ce qu'elle est adoptée? Est-ce qu'elle est finalisée? Non, c'est justement pour nous, la stratégie gouvernementale de développement durable, c'est un élément crucial. Dans le fond, la loi sur le développement durable...
elle s'incarne vraiment là, par cette stratégie qui doit être renouvelée à chaque 5 ans. Donc, la stratégie en cours présentement, c'est la stratégie 2015-2020. Donc, elle vient à échéance. Et nous, donc, on s'inquiète de son renouvellement. On souhaiterait qu'elle soit renouvelée là, dans les délais prescrits. La stratégie précédente avait été prolongée de 2 ans. Donc, au lieu de se terminer en 2013, elle s'est terminée en 2015. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est que si on prolonge la stratégie, ben il y a un certain attentisme qui peut se créer dans les ministères et organismes. On peut être à risque là, de faire du surplace parce que, dans le fond, les ministères et organismes ont des plans d'action de développement durable qui répondent aux objectifs de la stratégie. Donc, si on n'a pas de nouvelle stratégie, les ministères et organismes, ne savent pas nécessairement sur quel pied danser. Et vous devez craindre nécessairement aussi que la pandémie, la crise sanitaire actuelle serve de prétexte, serve de prétexte finalement à repousser à plus tard les échéances environnementales. Ben écoutez, c'est clair que la pandémie va certainement complexifier le renouvellement de la stratégie de développement durable. Mais on est en train de prouver là, que les choses peuvent se faire quand même. Là, le Parlement fonctionne, comme vous le voyez. Mm-hmm. Nous-mêmes, on a réussi à livrer notre rapport, donc en dépit de la situation. Alors donc, oui, ça va complexifier les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lannoy. Monsieur Lannoy, Paul Lannoy, qui est commissaire au développement durable auprès du vérificateur général du Québec. Merci beaucoup, Monsieur Lannoy. À une prochaine et bon courage. Merci également. Bonne journée. Au revoir. Allons-y. Maggie Lennon
Et on a au téléphone M. François Meunier, qui est vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec, l'ARQ. Et c'est important, et c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est que les restaurants, en principe, à l'extérieur de Montréal, de la communauté urbaine de Montréal, vont ouvrir lundi, le 15, ça arrive vite. Monsieur Meunier, bonjour Monsieur Meunier. Bonjour. Alors, oui, est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qui va se passer lundi? Je sais qu'il y a, pour en connaître, jaser dans le quartier, il y a des restaurants, des cafés qui, lundi, vont être prêts ou pas mal prêts à ouvrir graduellement. Oui. Mais le portrait d'ensemble est plus compliqué que ça, je pense. Hein? Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui va être prêt lundi. Là. Sachez qu'on a connu les détails du plan de réouverture, là, notamment les normes sanitaires, autant en milieu de travail que pour la clientèle, seulement que lundi. Donc, on a eu à peine 7 jours pour être en mesure de faire les adaptations nécessaires afin d'accueillir la clientèle et les travailleurs en toute sécurité. Donc, il y en a qui sont pas prêts, là. Puis c'est normal, là. Mm-hmm. Puis sachez que c'est pas tellement grave, là. Je pense que c'est à chacun des établissements à décider à quel moment ça pourra se passer adéquatement. Il y en a encore qui ont besoin d'installer, que ce soit des barrières physiques avec des plexiglas, de la signalisation, de former adéquatement tout le personnel. Alors, ça va se mettre en place graduellement, mais sachez qu'il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui attendent avec énormément de fébrilité le moment de pouvoir retourner à manger au restaurant, puis on sera bien sûr prêt finalement un jour ou l'autre, soyez-en certains, mais on devra évidemment être tout le monde là, s'adapter en considérant les circonstances. Oui, quand vous dites un moment ou l'autre, c'est que c'est pas tous les restaurants qui peuvent ouvrir rapidement. C'est pas juste de débarrer la porte là, et de réaménager les tables et les chaises. C'est aussi d'avoir quelque chose dans le frigo. C'est d'avoir les employés qui sont prêts à travailler. Et c'est aussi, ça va se faire graduellement. Quand, à un moment donné, un restaurant va dire « OK, on est prêt, demain on ouvre, on annonce ça. Il faut que les clients viennent. Et il faut aussi, d'une certaine façon, que la rentabilité à moyen terme soit là, ce qui n'est pas toujours évident quand le restaurant ne peut ouvrir, que ne peut fonctionner qu'à peu près à moitié de la capacité. C'est à peu près ce qui va se produire, non? Oh, exactement. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a deux questions, en tout cas deux inquiétudes qui se présentent rapidement là, dans le cadre de la réouverture. C'est est-ce que les clients sont au rendez-vous? Moi, honnêtement, je pense que oui. Je pense que surtout ailleurs de la région de Montréal, là, les gens sont déjà un peu entre guillemets tannés là, d'être à la maison, ont envie de voir des gens un peu, ont envie de sortir. Bon, évidemment, ils n'ont pas encore compris qu'il va falloir être discipliné aussi au restaurant, là, puis la règle de distanciation physique de 2 mètres, ça c'est bon. Si c'est bon à l'épicerie, si c'est bon à la pharmacie, c'est bon au restaurant aussi. Mm-hmm. Ça va peut-être demander une adaptation de la clientèle. Mais l'autre question qui demeure sur toutes les lèvres dans l'industrie, c'est est-ce que ça va être rentable? Puis là, moi, on a déjà la réponse là-dessus. Je peux vous dire que finalement, ça ne le sera pas, là. Du moins, ça ne le sera pas à long terme. Mm-hmm. Mais tout le monde convient que c'est important de rouvrir pour qu'on se garde la tête hors de l'eau. Il faut absolument être capable de payer les frais fixes, notamment les frais de loyer. C'est la priorité. On le sait que dans la restauration, comme dans le commerce, comme dans toute l'industrie touristique, ça va durer un peu plus longtemps qu'ailleurs. Notamment du fait qu'il y a tout un pan de l'industrie là, qui reviendra pas à la normale rapidement. Il n'y a plus de festivals, il n'y a plus d'événements culturels, du moins pour l'instant. Il n'y a plus d'événements sportifs. Pensez, par exemple, à tout ce qui est autour des stades sportifs ou autres, et qui bénéficiaient quand même d'un achalandage important. Ou même juste la télédiffusion de matchs. Là, on ne parle pas qu'il n'y a rien qui va revenir avant. Les grands festivals aussi. Les grands festivals. Mais pensons aussi que les croisières de 100 passagers là, qui nécessitent des couchers, on sont interdits au Canada jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, beaucoup de régions, que ce soit la Côte-Nord, le Saguenay, Québec, même un peu Montréal, là, profitaient de l'industrie des croisières. Là, tout ça est affecté, comme autant que l'industrie des congrès, par exemple. Donc, ça va durer longtemps sur le plan économique et il y a très certainement lieu de penser que le gouvernement devra faire beaucoup plus qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour supporter directement l'industrie. Mais on peut craindre raisonnablement que beaucoup de restaurants vont simplement fermer, vont faire faillite ou tout simplement vont être abandonnés parce que c'est trop long et trop difficile pour passer au travers, non? Ben, moi, je le crois. Écoutez, ça fait 34 ans que je suis dans l'industrie.
On n'a jamais vu une telle crise, là. Jamais. Et après la crise financière, qui a évidemment eu un impact majeur, là, ça fait 3 mois la semaine prochaine que les salles à manger des restaurants sont fermées. Imaginez, il y a 50% des restaurants là, qui étaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps, complètement fermés, donc aucun revenu. Donc, ces gens-là se sont endettés, là, ont eu à payer leur loyer, ou du moins à retarder le paiement de leur loyer, mais à un moment donné, ça va finir par les rattraper. Là. Je sais pas du tout être fataliste ou être pessimiste, mais nous, on s'attend à avoir énormément de fermetures. Là. Ça peut pas faire autrement. Et est-ce que ça se peut que ça soit surtout au détriment des restaurants authentiques là, qui font eux-mêmes leur cuisine authentique, réelle, contrairement aux restaurants des chaînes de restauration rapide qui, elles, peuvent repartir très vite et puis faire leur argent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement? En fait, c'est l'offre alimentaire là, qui décide, puis là, le modèle d'affaires. Hein. Quand vous êtes dans une restauration d'expérience, ben c'est pas du tout la même chose. Aller au restaurant pour uniquement s'alimenter, ça permet ça assure une fréquence plus grande, avoir un plus grand nombre de clients. Mais lorsque finalement vous êtes un restaurant de destination. Mais que la destination là offre une expérience qui est entachée, c'est pas nécessairement évident là, que vous allez vouloir aller vous asseoir dans une salle à manger de restaurant 4 heures de temps si le serveur a à la fois un masque de procédure puis des lunettes de protection. On n'est pas du tout à la même place là. Alors les gens vont-tu attendre que finalement que tout ça revienne à la normale et davantage fréquenter des restaurants plus bistrots qu'un menu moins élaboré, que évidemment on peut s'attendre à ce qu'un restaurant gastronomique par exemple soit davantage affecté par cette situation-là que des restaurants de niveau familial, par exemple. Ouais, parce que ça va être délicat aussi les relations entre le personnel et les clients, mais entre les clients eux-mêmes aussi. 2 mètres de distance, c'est grand. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on parle assez fort pour se faire entendre. On peut pas arriver là en grand groupe. Là. Il va falloir vraiment être créatif. On parle de réduire à 1 mètre, mais à 1 mètre, il n'y en a plus de distanciation à 1 mètre. On s'entend, là, les gens peuvent être d'épaule à épaule. Là, c'est trop proche. Là, c'est plus. Distanciation. Évidemment, on a entendu cette semaine M. Arruda dire que peut-être qu'on pourrait y arriver à 1 mètre, mais il n'y a personne qui. Il n'y a pas d'horizon. Là. Est-ce que c'est dans un mois ou dans 2 mois? On ne sait pas. Mais c'est vrai que la distanciation du 2 mètres, là, ça va créer énormément de problèmes. Les gens ont tendance peut-être à l'oublier. On a déjà des appels de gens qui veulent réserver pour des groupes de 8. Et on essaie de leur faire comprendre que regardez, vous n'êtes pas de la même famille, là, on ne pourra pas vous asseoir tous à la même table, là, ou en tout cas, si on le fait, là, ça prend des tables de 50 pieds, là, ça n'a pas de bon sens, c'est une pleine organisation de la salle, là, ça peut pas se faire. Alors, il faut que les gens soient un peu compréhensifs à court terme. Laissez-nous le temps de nous adapter un petit peu. Essayez d'y aller en famille. Allez-y avec vos enfants. Allez-y peut-être maximum là 2 couples. Ça va nous faciliter les choses, mais c'est certain que la gestion des groupes là, dans le contexte de la COVID, là, c'est pas facile. Là. Et entre vous et moi, là, on nous demande de respecter les mêmes règles que les rassemblements à l'intérieur, c'est-à-dire maximum 10 personnes, de 3 maisonnées différentes maximum, mais qui doivent quand même, chacune des maisonnées, être soit séparé par une cloison ou soit être à 2 mètres de distance. Alors, ça demande beaucoup d'ajustements, puis il n'y a pas grand monde qui va être capable. Et c'est pas évident, j'imagine, la préposée au téléphone là, qui se fait offrir une réservation comme ça, qui doit tenir compte de tous ces critères-là, alors que des fois, elle est déjà dans le jus. Exactement. Non, ça va être difficile. On ne sait pas non plus jusqu'à quel point la demande va être forte au début. Alors, on souhaite que tout le monde soit compréhensif. Et on souhaite surtout qu'il n'y ait pas de deuxième pandémie, parce que là ça va être décourageant à l'os. Et je vous remercie infiniment, M. Meunier, François Meunier, qui est vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec, l'ARQ. Alors, on vous le rappelle encore une fois, lundi prochain, graduellement, les restaurants commencent à ouvrir à l'extérieur de Montréal. On va voir comment
les gens vont réagir, le public, les consommateurs et les propriétaires de restaurants aussi, qui ont une grosse responsabilité. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Vraiment triste et troublante d'une préposée aux bénéficiaires qui travaille dans un CHSLD de la région de Montréal qui a attrapé le coronavirus. C'est arrivé assez fréquemment, mais elle l'a attrapé et a contaminé ses 5 enfants, son mari. Elle est elle-même enceinte, son mari est mort. C'est une histoire triste à mourir. Il s'agit de Mme Amoti Fouara Louzi. Et il y a une campagne de socio-financement qui a été lancée, évidemment, pour venir en aide à cette famille. Et pour en parler, je joins Jonathan Deschamps, qui est président du SCFP 2881. Monsieur Deschamps, le SCFP 2881, j'imagine que c'est le syndicat qui regroupe les gens qui travaillent en CHSLD, les préposés. Oui, bonjour. Oui, en effet, c'est bien ça. On est le syndicat qui représente les PAB, entre autres, dans le CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal. Bon, parlez-nous un peu de cette dame, de cette situation-là. Comment ça s'est passé? Dans quel CHSLD? Dans quelles circonstances? Parce que c'est quand même important qu'on sache. Oui, ben c'est ça, Madame Amoti. Elle travaille au foyer de Dorval. C'est un CHSLD à Dorval. Donc, une journée est rentrée travailler et il y avait un de ses collègues qui semblait présenter des symptômes de la COVID. Donc, suite à ça, elle a su qu'elle avait contracté la COVID sur les lieux du travail. Donc, oui, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, ces 5 enfants ont été infectés par la COVID et son mari aussi. C'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que c'était au début de la pandémie, ça, ou alors qu'on savait pas trop comment s'y prendre, comment protéger les gens, ou si c'est arrivé plus tard? C'est assez dans les débuts, c'est pas complètement au début, mais je dirais peut-être vers le tiers de la pandémie. À ce moment-là, il n'y avait pas d'obligation pour les employés de porter des masques dans les centres. Les seuls employés qui devaient porter des masques, c'est ceux qui étaient directement en lien avec des patients qui avaient contracté le COVID. OK, on n'était pas encore là au point, là, au niveau de protection qu'on connaît. On voit maintenant, les gens doivent obligatoirement porter des masques dès qu'ils rentrent dans un centre. Et ils doivent porter une visière aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, Mme Amoti, d'abord, est-ce qu'elle va mieux aujourd'hui pour ça, et ses enfants? Qu'est-ce qu'il y en a de leur état de santé au 5? Oui, ben, l'état de santé physique, oui, c'est mieux. Évidemment, ils vivent une tragédie. C'est difficile psychologiquement, mais côté physique, là, la famille va mieux.
C'est une famille originaire du Congo. On sait que le père voulait absolument vivre au Canada. Il était très, très motivé à l'idée d'amener sa famille ici. On dit même qu'il était en train de rédiger une thèse de doctorat en sciences de la santé. Est-ce que vous en savez un peu plus? Ben, tout à fait, monsieur. Il était à quelques semaines de terminer sa thèse et d'obtenir son doctorat. Donc, c'est un rêve pour lui. Travailler dans le réseau de la santé, travailler dans un autre CIUS, dans un autre établissement que celle de madame. Il avait pris un congé sans solde pour études pour terminer sa thèse et il était rendu à son but. C'est vraiment tragique. Donc, on a 5 orphelins, puis un 6e qui s'en vient. Une dame qui est veuve, qui doit être assez jeune quand même, je présume, relativement. Oui. Là, vous avez organisé une... Est-ce que c'est le CFP qui a parti la campagne de sociofinancement ou si vous êtes joint à un autre organisme qui l'avait lancé avant vous? Non, c'est vraiment la section locale 2881 qui a parti la campagne de financement. Évidemment, quand on a su l'histoire, on était très bouleversés. Et donc, madame avec 5 enfants, des enfants quand même dans des âges où ce que des études, où ce que les études vont coûter plus cher. Donc, on trouvait ça important que madame puisse subvenir aux besoins des enfants et à l'éducation des enfants aussi. Et comment ça fonctionne, si on veut? Comment est-ce qu'on fait pour trouver votre campagne, là, pour se connecter, pour aller donner des sous, là? Oui, ben c'est sur le site GoFundMe. Okay. Le nom de la campagne, c'est COVID-19 support à une ange de la santé. OK. Et ça fonctionne comment? À date, vous l'avez lancé quand? Puis il y a combien d'argent est rentré? Comment ça se passe? Oui, ça a été lancé il y a une semaine. L'objectif est de 100 000. Présentement, il y a près de 90 000 de ramasser. Ça progresse très rapidement. On est très confiants d'atteindre et même de dépasser l'objectif. Oh, c'est encourageant. Puis ça, oh mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça parce que franchement, c'est tellement triste. On reçoit beaucoup de témoignages aussi. Les gens donnent, mais aussi envoient des courriels de témoignages. Les gens sont touchés par l'histoire. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Bon, ben écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier et à souhaiter que ça continue, que ben, ça va continuer, ça va fonctionner. Et surtout qu'il n'y en ait pas d'autres cas comme ça, parce que franchement, c'est assez dévastateur, c'est vraiment triste. Ben oui, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On espère que le réseau de la santé a appris à mieux protéger ses anges gardiens. On a l'impression au départ que c'était il y avait beaucoup d'improvisation, que le gouvernement était pas prêt. Là maintenant, on espère que ce soit que le gouvernement et que tous les acteurs du réseau de la santé ont appris pour protéger à l'avenir et s'il y a une deuxième vague. Ouais, justement, puisque vous en parlez là, avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe dans les CHSLD? Est-ce que les travailleurs, les préposés aux bénéficiaires se sentent mieux protégés? Est-ce que le rythme de travail s'est apaisé? On n'entend plus parler vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, là? Ouais, non, c'est certain, il y a moins d'infections qu'au départ. La protection est mieux, donc oui, les gens se sentent mieux protégés. Le sentiment, c'est que peut-être que les gens se sont sentis abandonnés par le gouvernement, surtout en voyant que les procédures évoluaient à chaque jour et changeaient. Donc, mais présentement, oui, les gens sont mieux protégés. Et l'atmosphère est meilleure. Puis, par contre, on a encore, on n'a pas encore tout le personnel dont on a besoin. Ah, tout à fait. Mais ça, c'était le cas même avant la crise de la COVID. Il manquait de personnel. Présentement, je dirais que la plupart des gens sont revenus au travail parce qu'on a beaucoup de personnel qui avait contracté la COVID. Mm-hmm. La plupart sont revenus au travail, sauf que le manque de main-d'œuvre dans le réseau, il était déjà criant avant la COVID. Puis la COVID l'a mis en lumière. Et ceux qui sont revenus après avoir attrapé la COVID, que l'on sache, il n'y en a pas qui l'ont rattrapé une deuxième fois. Ça, c'est l'affaire qui fait... C'est l'espèce de menace qu'on craint tout le monde. Hein. Ouais, ben, on ne sait pas. Il y a des histoires de gens qui l'auraient rattrapé une deuxième fois, mais il n'y a rien de sûr. Là. Les études scientifiques ne sont pas sûres s'ils l'ont rattrapé ou si c'était des faux positifs. Donc, on est encore dans le néant pour ça. Bon, ben, souhaitons qu'il n'y ait pas de,
de développement dramatique de ce côté-là. Alors, M. Jonathan Deschamps, président du SCFP 2881, je vous remercie beaucoup, puis bon courage, et puis que tout le monde... Donc, rappelez-nous comment on peut joindre la campagne de sociofinancement par GoFundMe. Oui, GoFundMe, le titre de la campagne, c'est COVID-19, support à un ange de la santé. D'accord. Et je la publierai sur nos réseaux. Merci beaucoup. Ah oui, ça va être publié sur notre page Facebook. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Deschamps. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Puis, je voulais ajouter que, encore une fois, c'est l'histoire de 10 migrants qui viennent ici, qui donnent leur vie finalement. Cette histoire, je trouve qu'elle fait beaucoup écho à ce qu'on entend ces temps-ci. Bon, il y a le projet de loi qui concerne le PEC, mais ça, c'est autre chose. Mais à toute l'histoire j'ai pas le mot en tête, mais que ceux qui travaillent dans les CHSLD, que les travailleurs de la santé soient régularisés, c'est ça le mot que j'ai cherché, plus rapidement, je trouve que c'est extrêmement important. Puis cette histoire, on dirait qu'elle tombe dans le moment où je pense qu'elle ne servira pas à rien. Ce n'est pas une mort en vain, parce que on le voit que ces gens-là sont extrêmement importants pour la société québécoise, qu'ils ont leur place et qu'il faut les accepter plus rapidement. Donc, d'ailleurs, le gouvernement fédéral a bougé là-dessus. Hein. Je pense qu'il va y avoir un effort pour la régularisation des réfugiés qui ont travaillé dans le domaine de la santé. Et ça touche quand même quelques milliers de personnes au Canada. Là. C'est quand même c'est important. Et c'est un très beau geste à faire. C'est le moment de le faire. Il faut le faire. Pendant qu'il est chaud. Oui. Je veux juste rappeler que pendant la pandémie, en plein milieu de la pandémie, le gouvernement fédéral a choisi de doubler les tarifs pour la plupart des demandes qu'on fait au niveau de l'immigration. Donc moi, je l'ai vu à mon niveau avec la résidence permanente, mais c'est aussi sur plein d'autres programmes où ils ont doublé les tarifs. C'est quelque chose qui a un petit peu passé dans le beurre parce que pandémie. Mais oui, le fédéral fait des gestes. Par contre, faut pas oublier que financièrement, c'est de plus en plus difficile d'immigrer, que disons que le tarif, il ne suit pas le cours de la vie, il double de temps en temps. Donc, est-ce qu'on parle de tarifs qui sont imposants, ou c'est des tarifs, je sais pas moi, de 20-30 $? Ah non, c'est beaucoup plus. Par exemple, je vais donner mon cas pour la résidence permanente. Donc, je suis une personne seule, célibataire. Normalement, ça me coûtait à peu près 800 $ et là, ça va me coûter 1 300 $. Donc, c'est pas énorme pour moi, parce que je suis toute seule. Donc, c'est jouable, je vais pouvoir immigrer. Par contre, il faut penser que pour des familles, c'est beaucoup, beaucoup plus. On parle de 4 000, 5 000 $. Plus il y a d'enfants, plus c'est cher. Puis, ça peut monter très, très vite. Donc, quand ces tarifs-là sont doublés, je vous laisse imaginer, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, oui, c'est quand même un coup dur pour ceux qui voulaient entamer une démarche d'immigration. J'ai oublié de poser la question, mais c'est cette famille du Congo, on ne sait pas quel était leur état, est-ce qu'ils étaient immigrants reçus, probablement depuis le temps, mais... Oui, vu qu'il était arrivé en 2004, vu qu'on est en 2020, j'imagine que depuis, ils étaient tous régularisés, mais ça a dû prendre du temps, hein, ça prend toujours du temps, mais oui, disons en 2014, ça devait être réglé, oui. Bon, alors c'est tout pour notre émission. On se quitte là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, ce sera notre dernière émission pour cette saison. Et après ça, on se revoit à l'automne. Et là, dans quelles conditions? On n'a pas la moindre idée. Est-ce qu'on pourra faire l'émission à partir de nos studios? Et de quel studio? Parce que c'est KIA risque de déménager d'ici là. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, restons à l'affût, restons à l'écoute. Mais quoi qu'il arrive, on va être là, ça c'est certain. Alors ici, Julien Bilodeau et au nom de toute l'équipe, Kim Jandot, Serge Morin et Marlène Bordelot, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Bye.